Fumu Ntoto Basanga, je l'ai dit que vous étiez invité de ce journal. Rebonsoir. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes président national du Parti de la Nation Congo et coordonnateur national de la Troisième Voie et allié et regroupement politique, membre de l'opposition, sénateur de l'accord du 18 octobre 2016. Monsieur Fumu Ntoto, l'arrangement particulier a été signé, mais le professeur Mokonda Bonza n'a pas apposé sa signature sur ce document. À nos jours, pouvez-vous dire s'il y a inclusivité ou non de l'arrangement particulier, monsieur Fumu Ntoto? Merci, madame, pour la question. Le PNC, le parti politique de la Troisième Voie en courant de pensée, respecte le point de vue des uns et des autres, mais rappelle que les composantes, l'inclusivité dont il est question, c'est entre composantes et non entre individus. Jusqu'au moment où nous parlons, après la signature de l'arrangement particulier, ma composante, partie prenante aux négociations directes de la CENCO, n'a ni réquisé ses délégués conduits par Vital Kamerhe, n'est ni éclaté. Et donc, nous n'avons pas contesté la signature de Vital Kamerhe, de José Makila, de Jean-Lucien Boussa et les autres que nous avons envoyés nous représenter au niveau des négociations directes et de la signature de l'arrangement particulier. Donc, comme il n'y a pas un problème au niveau de la composante, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas inclusivité de la composante opposition signataire de l'accord. Alors, la deuxième question qui me vient à l'esprit aujourd'hui, hein, la question qui bat les esprits, ce qui a un désordre de trouble au sein du rassemblement. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Madame, il faut savoir faire la différence entre le principal et l'accessoire. Le principal, ce sont les 5 points qui nous ont envoyés aux négociations de tous les accords. Nous avons convenu et ensemble, nous avons obtenu par la signature de l'accord du 31 décembre 2016 ce qui honore notre peuple et qui restait un petit problème d'arrangement particulier qui est un problème entre les politiciens. Mais dans ce qui honore le peuple, nous avons obtenu 1. Le respect de la Constitution. 2. Le rejet du référendum. La révision de la Constitution. Le troisième mandat et l'organisation des élections, c'est-à-dire présidentielle nationale et législative provinciale au mois de décembre 2017. C'est ça le plus essentiel. Et nous avons en fait dit que d'ici cette période de l'organisation des élections, le premier ministre qui doit diriger la République doit venir du Rassemblement. Et Binu Tshibala est là. Il est premier ministre issu du Rassemblement parce qu'il n'a pas signé l'accord du 18 octobre 2016. Pour autant que nous avons l'essentiel, ça veut dire ce qui répond au problème de notre peuple, nous trouvons qu'il faut aller vite aux élections pour que le peuple retrouve son droit de veto. Revenons maintenant à la signature de l'arrangement en particulier, M. Fumu Ntoto. Il y a ceux-là qui hésitent encore pour venir à poser leur signature. Vous avez un message à leur adresser? Il faut que les Congolais et Congolaises qui me suivent au niveau de Kinshasa, selon nous, le poumon de la République, la diaspora, la tête du pays et les provinces et les chambres retiennent quelques principes. Personne ne connaît tout, mais chacun de nous sait quelque chose. Il apporte un plus. Donc, personne n'est plus important que l'autre. Même le pauvre, il est très important devant les riches. L'employé est très important devant les patrons. Par conséquent, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Je voudrais que tous les Congolais nous puissions nous mettre ensemble, conformément au préambule de notre Constitution, pour lutter contre le tribalisme, le régionalisme et la malgouvernance qui donne un prétexte sérieux à la domination étrangère de notre espace. Et si nous comprenons que le Congo a encore un âge très faible, nous pouvons aussi savoir qu'il est encore fragile. Et nous devons chacun diminuer nos épaules et sauver le Congo, notre mère patrie. Que le Congo gagne avec ou sans nous. Merci beaucoup, Monsieur Fumu Ntoto. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Fumu Ntoto Basanga, vous êtes venu nous parler surtout de la signature de l'arrangement en particulier. Sans la signature du professeur Mokonda Bonza, y a-t-il inclusivité ou non? Vous avez donné votre point de vue. La rédaction du journal télévisé vous remercie de votre passage ici au journal c'est télévisé. C'est moi qui remercie la TNC d'avoir songé à l'émergence de la nouvelle génération politique. Merci beaucoup, Monsieur Fumu Ntoto.